monde, j'espère que vous allez bien. Coucou. On se retrouve sur The Crew où aujourd'hui nous allons débloquer ensemble la nouvelle BMW M8 coupée Interception. Du coup, une très jolie voiture que je me réjouis d'avoir. Du coup, dans cette vidéo, on va faire les petits défis ensemble. Bien sûr, rassurez-vous. Je mettrai l'avancée minimum x2. Du coup, je vais faire tous les contrats qui me restent à faire. Et normalement, je débloquerai la BMW M8. Du coup, avant que ça commence, n'oubliez pas le petit like et l'abonnement si ce n'est toujours pas fait. Je compte aussi sur vous pour commenter et donner votre avis dans l'espace commentaire. On est parti. Et du coup, voilà, comme prévu, nous avons débloqué la BMW M8 Interception, qui est plutôt stylée. On va tout de suite voir à quoi elle ressemble. Je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer un bug. Vous me direz si vous aussi vous l'avez. Du coup, je viens de débloquer la M8 comme vous venez de voir. Et elle n'est pas dans mes voitures, du coup. C'est bien une catégorie Street Race, comme je vais vous le montrer. Du coup, catégorie Street Race. Et vous allez voir, donc je suis bien dans Street Race. Marque de BMW. Et elle n'est pas là. A few moments later. Ah bah voilà, elle vient d'apparaître après 5 minutes, du coup je peux enfin vous la montrer. Donc la voilà, la petite BM, avec les petits gyros à l'avant qui sont très jolis. Et du coup, comme je vous disais, les petits gyros à l'avant, très jolis, très stylés. Voilà. Tu peux m'éloigner, voilà, donc ici on peut mieux le voir. Et les petits gyros du coup sur le toit. Je sais pas si on a à l'arrière, non. Et sur les rétroviseurs, ouais, on a les petits gyros aussi du coup, enfin les clignotants plutôt qui clignotent
sur les rétroviseurs. Donc ça, c'est plutôt stylé. C'est pas toutes les voitures qui ont ça. En tout cas, je trouve qu'elle est encore plus jolie avec le petit gyro et la barre anti-choc juste ici à l'avant. Je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, elle est quand même très stylée. Si vous êtes fort en livret, n'hésitez pas à me faire un petit livret police belge. Voilà, si vous êtes fort ou quoi, et si vous le faites, bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et je me ferai une joie et un plaisir de mettre votre livret sur la petite BM qui est juste ici. Et l'intérieur, comme la BM bien sûr originale, donc voilà, très simple, mais une voiture encore une fois très jolie, surtout de nuit. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette qu'elle vous aura plu. Si vous voulez une vidéo test de cette BM et petite custom, parce qu'on sait pas faire de custom, hein. Donc voilà, si vous faites un livret ou quoi, n'hésitez vraiment pas à me le dire et je le ferai. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le like et l'abonnement. Encore une fois, on se rapproche des 2K. On a l'objectif d'y arriver avant 2021, comme vous le savez. Et aussi, pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai fait une cagnotte sur PayPal pour soutenir une association. Voilà, j'ai voulu faire un petit geste. J'ai moi-même fait une promesse de 10 euros. Du coup, voilà, si vous avez les moyens, n'hésitez pas à faire un petit don, que ce soit 1 euro ou même moins. Ça aide quand même. Et bien sûr, tout l'argent sera reversé intégralement à l'association qui est Amnesty International. Et bien sûr, je publierai la preuve du don. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, encore une fois, vous aura plu. Passez tous et toutes une agréable journée ou soirée. C'était Jabello. À la prochaine.